Hello les rêveurs de la magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au parc Astérix et devinez quoi, on devient passe annuel. C'est parti, générique. Donc sachez que si vous prenez un pass annuel au parc Astérix, c'est très simple. Vous allez arriver directement, vous allez pouvoir avoir en fait le petit bon pour le parking qu'on va vous offrir. Si vous prenez sur internet, c'est très facile. Donc vous ne payerez déjà pas votre premier parking. Vous allez arriver directement, on va vous dire, voilà, tout simplement, vous allez là. Nous, on a récupéré notre pass annuel en 5 minutes. Donc c'est incroyable, 5 minutes, c'est rien du tout. Et vous rentrez directement dans le parc tranquillement. Et voilà, on est là, on est au parc Astérix, saison 2022. Le personnel du parc Astérix, il est vraiment incroyable. Partout où on va, franchement, c'est comme si genre on était des VIP quoi. C'est un truc de fou quoi. Vraiment, merci au personnel du parc Astérix. On est dans l'attraction du Chaudron, ça va tourner la première fois à Astérix. On va voir comment ça se passe. Ça tourne. On va voir si ça tourne plus vite qu'à Disney d'ailleurs. C'est parti les amis, Chaudron magique. Appelle-moi Obélix. Ah, c'est sympa là. Ah, ils tombent plus vite qu'à Disney. Si, on va faire un petit tour encore, on est toujours au parc Astérix, on découvre cette attraction, on verra si elle est sympa, en tout cas l'étage de tout à l'heure était très sympa. Maintenant, let's go, je vous laisse visionner si on va aller vite ou pas. Maintenant, let's go, le bateau. Allez, on va voir si ça va aller vite. Hein. Woo!
l'attraction. Bon, l'attraction s'arrête, c'est cool. Franchement, l'attraction, elle m'a secoué dans tous les sens. Je suis en PLS direct. La journée est déjà terminée, je le sens. Oh, j'ai la tête qui tourne. Non, j'ai pas peur, mais je suis en PLS. Alors celle-là j'ai déjà faite, donc je suis mou en flip. Je vais laisser derrière moi un petit peu sur le tracteur. Voilà, ça va, ok. Je crois que je vais mettre. Ça gère ? Ouais, ça gère. Voilà, je suis bien, je suis peu tourné là. Oh putain. Putain ! Oh putain, je suis trop bien. Oh putain. Allez, allez pour les gros là. J'ai la chaussure qui est pleine de flotte. Je suis plein de flotte, hein. Mais t'es malade quoi ? Oh putain ! Oh, oh putain ! Je prends cher. Je prends cher de fou quoi. T'es malade quoi ? Arrête tes conneries là ! Oh putain ! Oh malade ! Tu viens de prendre des coups ! Je sais pas quoi. Comme un brumisateur. Ils sont sérieux, regardez comme ça. Les amis, je suis en PLS. C'est quoi, elle s'appelle comment ici ? SOS numéro bis, voilà. On va aller faire SOS numéro bis. Je suis en PLS total. C'est... Premier jour au parc Astérix, ça y est, je suis pas bien. Mais là, c'est SOS, ouais. J'appelle un SOS tout court, là, franchement. Et tout le monde est mort de rire, voilà. Oh putain!
les amis, on s'est fait plaisir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite casquette. Et on a pris, juste ici, regardez, le hashtag râleur avec Astérix. Le petit t-shirt. Ça, quand on viendra à Astérix, eh bien, on aura le petit t-shirt. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. C'est pas très cher, on l'a trouvé au prix de 19 euros. Puis si vous avez le pass annuel, ben vous pouvez profiter avec nous, le pass annuel à nous. On a 10% de réduction. Dégustez le mois écoulé. Oula. Oui, effectivement. Donc. Bien saucé, hein. Il est bon. Je vous montre, les amis, le wop au poulet, il avait à l'intérieur. Il y a pas mal de sauce à l'intérieur, mais il est bon. On a pris des frites, elles sont salées. D'habitude, c'est pas salé, et elles sont bonnes. Et un petit burger au poulet. Je montre l'intérieur du burger au poulet. Alors, il y a de la sauce, je ne sais pas si tu avais demandé sans sauce. Bien cuit le poulet. Le restaurant s'appelle la Halte des Chevaliers. Alors je vous dirais que c'est ici, voilà. En fait, vous avez des terrasses. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même beaucoup d'endroits et beaucoup de place pour pouvoir venir manger votre repas. Parce que vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'endroits où vous pouvez manger, beaucoup de tables où vous pouvez venir manger. Et c'est très, très sympa parce que du coup, ben, on est en extérieur tranquillement et on mange. En plus, il fait beau. Donc franchement, on est bien. Donc les amis, sachez qu'on a pris un menu Obélix au prix de 12,30€. Si vous êtes pass annuel, vous aurez une réduction de 10% sur la totalité. Et sachez que cette réduction, elle est valable dans tout le parc. C'est-à-dire sur n'importe quel endroit où vous allez aller, ben, au parc Astérix, vous aurez une 10% partout. Non, est-ce qu'on peut faire... C'est pour... Non. Bonnie, elle veut pas. Bonnie. Bon, elle veut pas, on fait une petite danse tous les deux. Ah, c'est dans l'autre sens. Allez, on fait une petite danse. La danse des Gaulois. Oui, la danse des Gaulois. Les amis, on danse avec... Ah ouais, Six. La danse des Gaulois, les amis. Ah oui, on se donne la main. Allez. Yeah, c'est cool ça. Bon, il faut que Bonne-Mine, elle danse avec nous aussi. On va la faire danser. Je te jure, viens, on va la faire danser. C'est obligé, on la fait danser. Bien, c'est le début de la journée. Obligé, on la fait danser. Si elle m'éjecte, oui. Pas de soucis, appelle là, c'est pas grave. Bonne-Mine. Elle fait une petite danse tous les deux. Après, bon, elle veut pas Bonne-Mine, elle m'a refoulé direct, les amis. Je vous ai dit, c'est tendu, hein. C'est tendu. Bon, elle m'a refoulé Bonne-Mine. Déjà, elle m'a éjecté du village, maintenant elle me refoule. Voilà, c'est terminé. À bras courts, ici, c'est plus sympa. Hein. Il a décidé de faire une petite danse avec moi et c'était cool. Et Bonne-Mine, je crois qu'elle me kiffe en fait, elle veut pas me le dire. Comment ça va, Jack? Yeah. Est-ce qu'on peut faire une petite danse ensemble? C'est un défi, c'est pour YouTube. On fait une danse? Allez, on fait la danse des Gaulois, oui. Ah ouais. On mange à sanglier. On mange à sanglier. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, il est beau le sanglier. Hein. Allez, on fait une petite photo ensemble, Obélix, ou quoi? Au revoir, Obélix. Salut, Obélix. On va manger. Salut les amis, je suis complètement en PLS, on va aller faire une attraction au parc Astérix, je la connais pas du tout. On va aller faire l'oxygénarium, c'est parti. Voilà, vous avez vu, je suis vraiment, je suis bien. Hein, vous avez vu comment je suis bien là.
Donc les amis, on sort de l'attraction, attention menhir. Donc du coup c'est une attraction qu'on ne peut pas filmer parce que c'est interdit. Mais par contre vous avez des effets, c'est-à-dire que vous avez du vent et vous sentez, on vous lance aussi plein de choses, c'est-à-dire que vous avez des effets des odeurs de champignons qu'on sent, vous avez de l'eau que vous recevez sur vous et tout ça. Des fois on vous balaye un petit peu les jambes. Des fois c'est un peu désagréable cette attraction, je trouve. C'est à faire au moins une fois, je pense, pour voilà, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais après je suis pas trop. Allez me chercher. Mais je croyais que toute la zone était pacifiée par Jupiter. Mais non, pas par Jupiter, par Jules César. Oh, et puis il a l'air terrifiant par Mercure. Et je pense qu'il n'est pas tout seul par Minerve. On pourrait peut-être fuir, par exemple. Ah oui. Les honneurs à l'air. Obélix, moi j'ai pris un petit supplément de chantilly. En fait, à l'intérieur, vous avez un mix de boules, chocolat blanc et bonbon bleu. Bon, moi j'adore la crème.
C'est bon. C'est des glaces artisanales, fabrication française, les amis. C'est au parc Astérix et c'est une nouveauté du parc. Donc regardez, là, juste là. Il est bon. Elle est bonne la glace. On a pris un petit bubble tea. C'est à la pomme, vous voyez. En fait, au fond, vous avez des petites bulles, des petits comme un peu de la pomme. Je vais goûter ce que ça vaut. D'accord. En fait, les petites bulles, effectivement, elles se mangent, elles sont très bonnes. Je viens d'en choper là. Le thé est très bon. Franchement, j'aime bien. Moi, je valide. Et vous ? Franchement, le bilan de la journée est très très positif. Donc du coup, comme je vous ai dit ce matin, on devient passe annuel à Astérix. Vous avez des attractions, on a pu faire pas mal d'attractions. Il y a très peu de temps d'attente aujourd'hui. On a très bien mangé. En plus de ça, on a eu la parade, la petite mini parade qui est vraiment vraiment très très bien. En plus, vous avez une animation, à un moment donné, ça s'arrête. Et vraiment, c'est super cool parce que du coup, ça ambiance les gens, c'est super bien. Enfin, nous, on a trouvé que c'était vraiment bien. On espère que cette journée continuera à nous plaire et à vous plaire aussi. Franchement, j'ai vu des fois des commentaires sur le parc Astérix qui disent « Ouais, c'est pas terrible, c'est pas ouf, c'est pas ci, c'est pas ça. » Mais le parc Astérix, honnêtement, faut venir pour voir comment que c'est et c'est vraiment très bien. Nous, on est ravis d'avoir pris un pass annuel et je vous dis, on va venir très souvent à Astérix. Et donc, vous aurez plein de vidéos sur YouTube. Voilà les rêveurs, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. À bientôt, prenez soin de vous.